وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Serviteurs d'Allah, sachez que votre Seigneur subhanahu wa ta'ala a créé le fils d'Adam enclin à faire des péchés et à avoir des manquements dans les obligations et dans ses devoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala ou vis-à-vis de ses créatures. C'est pour cela que par sa grâce, Allah ta'ala a multiplié la valeur des bonnes actions. À l'encontre de ça, il n'a pas multiplié la valeur des mauvaises actions. Et il a fait qu'une seule bonne action est multipliée par 10 jusqu'à même 700 fois, jusqu'à même des multiplications beaucoup plus que cela, par sa grâce. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets dans Sourate Al-An'am, celui qui vient avec une bonne action en aura 10 équivalentes et celui qui vient avec une mauvaise action ne sera récompensé que par une mauvaise action pareille et ils ne seront aucunement opprimés dans le sens des versets. Dans le hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abihi rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah a inscrit les bonnes actions et les mauvaises actions. Puis il a détaillé: celui qui pense à faire une bonne action et qui n'a pas réussi à l'accomplir, Allah lui inscrit une bonne action complète. Celui qui pense à faire une bonne action et qui l'accomplit, Allah lui inscrit 10 bonnes actions jusqu'à 700, jusqu'à des multiplications sans compter. Celui qui pense à faire une mauvaise action, puis qui ne l'accomplit pas, qui change d'avis avant de l'accomplir, Allah lui inscrit par cela une bonne action complète. Et celui qui pense à faire une mauvaise action, puis qui l'accomplit, Allah ne lui inscrit à cause de cela qu'une seule mauvaise action. Qu'une seule mauvaise action. Donc regardez comment Allah Ta'ala a instauré plusieurs moyens de faire des bonnes actions en islam. Les portes pour faire le bien sont nombreuses. Dans l'adoration, dans la science, dans la bonté envers les gens. Combien de manières de faire des bonnes actions existent en islam? Des centaines et des milliers. De même, il a ouvert et facilité tous ces chemins-là qui mènent aux bonnes actions pour que la balance du bien et la balance de la piété et la balance des bonnes actions soit lourde. De même qu'il a interdit tous les moyens, toutes les portes, toutes les causes qui mènent au haram, pour que la balance du mal, du péché et des mauvaises actions soit légère et non pas lourde le jour du jugement dernier. Et ça, c'est une grâce de la part d'Allah qui a voulu faciliter à ses serviteurs subhanahu wa ta'ala, pour que ses serviteurs soient enclins à faire partie des vainqueurs, de ceux qui ont réussi l'examen de cette vie-là. Regardez comment il est simple de satisfaire Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, hadith de Anas ibn Malik: certes, Allah est satisfait de son serviteur quand il mange une bouchée et il loue Allah pour cette bouchée. Et quand il boit une gorgée et il loue Allah pour cette gorgée.
Allah t'a donné la vie, le bienfait de pouvoir manger et boire. Même cette nourriture et cette boisson, elle vient d'Allah. Et quand tu manges, tu dis Alhamdulillah, Allah est satisfait de toi. C'est pour cela, serviteur d'Allah, le croyant doit se remettre en question constamment. Le croyant doit perpétuellement se remettre en question et savoir qu'il a des manquements vis-à-vis de son Seigneur. Chaque jour qui passe, combien de péchés faisons-nous ? Combien de manquements dans nos obligations ? Mais Allah Ta'ala, il a laissé une porte ouverte qui s'appelle la porte du repentir. Cette porte-là reste ouverte jusqu'au jour où le soleil se lève de son coucher. Cette porte-là reste ouverte jusqu'au moment où la personne elle est dans l'agonie de la mort. Tant que la personne elle n'est pas dans l'agonie de la mort ou que le soleil ne s'est pas levé de son coucher, quoi qu'il ait fait comme péché, s'il revient à Allah repentant, Allah accepte son repentir. Le repentir, c'est une des plus grandes qualités du croyant. C'est la caractéristique par laquelle Allah a cité les prophètes et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les croyants sincères et les gens pieux. Allah Ta'ala a dit, certes dans sourate Tawbah, dans le sens des versets, certes Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier, puis il accueillit leur repentir car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enjoint de se repentir à Allah et de revenir à lui. Il a dit, oh, vous les gens, repentez-vous à Allah et revenez à lui souvent, car je me repens moi-même 100 fois par jour. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus aimé d'Allah, celui à qui Allah a pardonné ses péchés passés et futurs, il se repent à Allah et lui demande pardon 100 fois par jour. Alors nous, combien de fois on doit se repentir? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté qu'ils comptaient dans une seule assise avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait plus de 70 fois « Oh Allah, je me repens à toi, pardonne-moi. » Dans une assise, plus de 70 fois. Alors combien nous, on doit demander pardon à Allah? Le problème, c'est qu'on pense qu'on n'est pas manquant. On pense qu'on est bien, que ce que l'on fait, c'est très bien. On pense que notre place au paradis est garantie. On se compare au pire des gens, au lieu de se comparer au meilleur des hommes. Alors que dans le bien, il faut se comparer. Qui est notre exemple? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis ceux qui l'ont suivi, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les héritiers des prophètes, les savants qui ont suivi les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne te compare pas au kafir qui est ton voisin. Tu dis, ah moi c'est bien, je dis la ilaha illallah, lui il dit pas la ilaha illallah. Lui c'est un kafir. S'il meurt comme ça, sa place est en enfer éternel. Si tu veux te comparer à lui, au bout d'un moment, tu vas glisser, peut-être tu vas devenir comme lui. Compare-toi au meilleur des hommes. Compare-toi à celui qu'Allah t'a demandé de prendre comme exemple. Il y a pour vous, dans le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un bon exemple à suivre pour celui qui espère la rencontre d'Allah et le jour dernier et qui évoque constamment et abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le repentir, c'est la qualité des prophètes. Moussa alayhi salam aussi, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à toi, je me repens à toi. Et Allah ta'ala, quand il a cité Daoud alayhi salam, il a cité qu'il est awwab,
celui qui revient constamment vers Allah, repentant. Et les croyants, dans Sourate At-Tawbah, verset 112, dans le sens des versets, quand Allah il a cité toutes les qualités et les caractéristiques des croyants, la première qualité qu'il a citée, c'est At-Ta'ibun. Ils sont ceux qui se repentent à Allah, qui adorent, qui louent, qui parcourent, etc., etc. Plusieurs caractéristiques parmi les caractéristiques des croyants. La première, At-Ta'ibun, les repentants. Le repentir est une cause d'être préservé du châtiment d'Allah. Le peuple de Younes, quand ils l'ont traité de menteur et qu'il est parti fâché contre eux, quand ils se sont repentis et ont cru, Allah a levé le châtiment qui allait les toucher. Le repentir est une cause d'effacer les fautes passées. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, « Oh vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins dans lesquels coulent les ruisseaux. » C'est pas « il se peut », c'est-à-dire « il est sûr que votre Seigneur vous efface vos fautes. » Ici, « assa », il n'est pas dans le sens « peut-être », il est dans le sens « qu'il est sûr ». Allah vous effacera vos fautes. D'ailleurs, Ibn Majah rapporte dans le hadith sahih, ou bien ce hadith qui est acceptable, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « At-ta'ibu min al-dhambi kaman la dhambala » Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui ne l'a pas commis. Encore mieux que cela, Allah Ta'ala a cité dans Sourate Al-Furqan les caractéristiques des gens de l'enfer qui font les grands péchés, qui sont l'associationnisme, de tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée, de ceux qui forniquent. Alors Allah leur a dit que cela, Allah leur doublerait leur châtiment et qu'ils seraient éternellement avilis, rabaissés. Puis il a dit, sauf celui qui se repent, qui croit et qui fait les bonnes œuvres, voilà ceux à qui Allah transforme leurs péchés en bonnes actions. Et certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Regardez la miséricorde d'Allah. Allah, qui n'a pas besoin de nous, il est plus heureux du repentir d'un serviteur qu'une personne qui s'est perdue dans le désert, il a perdu son chameau, il est prêt à mourir, et il retrouve son chameau tel, au dernier moment, avec ses vivres, avec sa boisson. Et tellement il est heureux, il se trompe, il dit, « Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. » Pourtant, Allah, il n'a pas besoin de nous. Mais Allah, il aime le repentir, subhanahu wa ta'ala. Il aime que son serviteur soit pieux. Il aime le voir dans le bon chemin. Et il aime qu'il fasse des bonnes actions. Pour finir, sachez que le repentir, pour qu'il soit digne de ce nom et pour qu'il soit accepté, il doit comporter des conditions. Sans ces conditions-là, ce n'est pas un repentir. Le pilier principal du repentir, c'est le regret. C'est la base du repentir. Si ce pilier n'est pas présent, il n'y a pas de repentir. Car c'est ce pilier-là qui amène les autres piliers. Le regret, c'est celui qui te pousse à délaisser cet acte. C'est celui qui te donne l'envie de ne plus jamais retourner à ce péché. C'est celui qui te pousse à vouloir réparer le mal que tu as fait à quelqu'un. Mais s'il n'y a pas de regret, tout le reste n'est pas là. Voilà pourquoi les savants disent le pilier principal du repentir, c'est an-nadam, le regret. Aujourd'hui, c'est le contraire. Certains, ils se vantent. La nuit, il fait un péché, le matin, il le met sur Internet. Hier soir, j'ai fait ça, c'était magnifique. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, toute ma communauté peut prétendre à la miséricorde, au pardon d'Allah, sauf ceux qui font leur péché au grand jour. Et il fait partie du fait de faire des péchés, ces péchés au grand jour, de faire un péché dans la nuit qu'Allah a caché, et de venir le matin et dire, oh, un tel, hier soir, j'ai fait telle et telle chose. Ne regarde pas
la taille du péché que tu fais, ou sa classification. Est-ce que c'est un grand péché? Est-ce que c'est un petit péché? Regarde la grandeur de celui à qui tu désobéis. Sache qu'un petit péché fait constamment, il devient un grand péché. Car ne fait un petit péché constamment que celui qui n'a pas de valeur dans son cœur pour le din. Le fait de ne pas donner de valeur à din, c'est ça la base des grands péchés. C'est ça la base de la gravité du péché. C'est que tu te dis, c'est pas grave, je peux me permettre de désobéir. C'est ça la gravité. C'est quand tu te dis, c'est pas grave, quand tu te donnes cette permission. C'est ça qui est grave. Par contre, quelqu'un tombe par erreur, par passion. Shaitan, il lui a insufflé, ses passions, elles ont pris le dessus. Il est tombé dans le péché. Après, il regrette. Tout de suite, il se repent, il revient. Ça arrive à tout le monde. Tous, on est des êtres humains manquants. Mais la personne qui dit, c'est pas grave, je peux faire ce péché, c'est rien. Tout le monde le fait. Par rapport aux autres, c'est bien ce que je fais, moi, déjà. C'est là que le danger, il arrive. C'est que tu considères que désobéir à Allah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Allah, il t'a créé. Tu es sur sa terre avec la vie qu'il t'a donnée. Il te surveille, tu vas revenir à lui, tu vas être jugé. Il t'a ordonné et il t'a interdit et toi tu dis c'est pas grave. Ça montre que tu n'as pas de valeur pour ta religion. Tu n'estimes pas Allah à sa juste valeur. Subhanahu wa ta'ala. Donc, serviteur d'Allah, remettons-nous en question et renouvelons le repentir à Allah constamment et souvent et journalièrement et même à toutes les heures et même toutes les minutes, et ce ne sera pas suffisant, car Allah accepte le jour le repentir du pécheur de la nuit et accepte la nuit le repentir du pécheur du jour. Donc revenez à votre Seigneur qui accepte le repentir, qui est miséricordieux, avant qu'il ne soit trop tard. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا جميعا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وقل رب زدني علما.